Salut les gars, c'est Anel Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, j'avais décidé donc de faire plutôt une vidéo tuto où en fait je vais tout simplement vous montrer comment faire le monde de l'Under aujourd'hui, ouais je crois. Et donc voilà, c'est parti. Et donc je ferai sûrement aussi une autre vidéo tuto comment faire le monde du Nether. Mais bon voilà. Pour l'instant je fais ça, j'ai pas posté de vidéo depuis longtemps, mais c'est que j'étais occupée et tout, donc voilà. Donc du coup, pour faire le monde de l'Under, c'est super simple, voilà. Donc si vous êtes sur mobile, hein, bien sûr c'est sur mobile. Alors vous avez juste à prendre, non c'est pas là, c'est là. Hop. Et on va prendre des yeux de l'Under. C'est non, c'est là aussi. Excusez-moi, je galère. Et voilà. Donc vous aurez besoin du portail, d'un œil de l'Under et d'un portail de l'Under. Donc on met ça comme ça. Donc pour ce qui est mobile, il n'y a pas besoin de mettre de la lave ou autre chose sur le sol même, ça fonctionne. Hein. En fait, ce qui est important dans le mobile, c'est la disposition des yeux. Parce que si je mets mes yeux bizarrement, en fait, faut toujours les mettre face à vous, hein, toujours. Parce que regarde, on va faire le test. Hop, là, je vous mets comme ça. Ah, merde. Bon, bref. En tout cas, attendez, bah, je vais le détruire. Ah oui, c'est un bout de portail, du coup, c'est... C'est bien ce truc là parce que je trouve qu'un jour quand t'as un espace réduit et tout, tu peux mettre juste un petit truc comme ça et puis tu vas comme ça quoi. C'est assez impressionnant et tout. Attendez, je me demande si en dessous et tout on voit aussi le monde de l'Under. Attendez, je vais vous dire ça. Ah non, d'accord, elle disparaît en dessous. Ah oui, elle disparaît. Mais est-ce que je peux y aller? Ah oui d'accord, ok, je peux pas remonter là, je peux remonter, ok, c'est juste qu'on la voit pas en fait, on la voit pas. Donc en gros je vous disais, quand vous mettez vos trois trucs, donc là vous mettez trois trucs, 1, 2, 3 comme ça, bon après vous reproduisez exactement comme j'ai fait, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc voilà, au niveau de la disposition des yeux, c'est là où ça se complique, voilà. Donc là vous voyez, je mets un œil. Ouais, donc ça va pas marcher, voilà. Ah, si, peut-être là, ça... Non, ça va pas marcher, pas du tout. Et donc, voilà, vous voyez, ça fait rien, absolument rien, puisque les yeux, on peut pas les mettre comme ça, en fait. Donc, voilà. Vous êtes obligé de mettre les yeux droits, sinon, ça casse tout, en fait. Et du coup, ça s'allumera pas. Alors, hop, 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 on met les yeux droits. Hop, et là vous allez voir, hop. Ah, j'ai pas vu ceux-là qui sont. D'ailleurs, ça a tout cassé. Donc bref, bon. En tout cas, vous avez vu comment faire le portail de l'Under. Hein. Voilà, c'est très simple. Vous prenez un portail de l'Under, vous faites trois fois. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. Donc voilà, c'était vraiment un tuto très très simple pour voir comment faire le portail de l'Under. Je peux peut-être... ouais, non, je vous ferai le portail du Nether une autre fois. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a vraiment aidé, ou bien si t'as carrément pas réussi après ça, bah, je suis vraiment désolée. Donc je rappelle, c'est sur mobile, hein, pas sur PC, ni je sais pas sur quoi d'autre, Switch, PS4, Xbox, je sais pas. Bref. En tout cas, n'hésite pas à liker si ça t'a aidé, à commenter si tu veux que je te fasse le portail du Nether ou pas, ou bien si t'as besoin d'autres choses sur Minecraft, je sais pas, les enchantements, tout ça. Et du coup, nous on se dit à la prochaine. Salut les gars!